C'est trop mignon. Non mais c'est trop. Là, il y a trop de mignonnerie. Bon, lui, il est très teubé, par contre. Ils se ressemblent tous. Waouh. Les gazos, il y a trop de mignonnerie, là. Mais c'est le principe de la vidéo, les potes. Aujourd'hui, on regarde des animaux, que ce soit mignon ou pas, drôle ou pas. Sors-toi un truc à boire. Et c'est ton moment détente de la semaine. Pose-toi, réfléchis plus. Bon, alors, lui, il a une bonne... C'est quoi ça? Mais genre, en mode, ça fait 20 millions de vues. Mais c'est terrible. Mon envie d'acheter un chat, là. Oh la tête. Oh, il est pas content là. C'est quoi ce rire à la fin? Même moi j'ai pas un rire aussi diabolique. Oh, boîte de nuit pour chat. Ah, le DJ c'est mon pote, mais il me doit 20 balles et tout, je lui avais décalé une console. Ouais, ça twerk fort. Ouais, ça twerk les chats. Techniquement, c'est le seul club au monde où ils peuvent passer ce son. Ce soir en ville, y'a de la chatte. Maintenant, on va regarder le short YouTube le plus vu du monde sur les chats. Ok, elle joue avec un laser. Oh non, il cherche le laser à vie. Wow, mais la tête de Tobax. Je vous jure, les chats, c'est des ravagés. C'est quoi le truc par terre? Oh non, il est tout petit. Oh, mais il est très con. Petit, mais déjà tellement si con. Eh, mais les petits chats, en vrai, le cerveau, il doit être microscopique. Hein. Oh, il a coffré ça, frère. Il a kébar le truc. C'est, il était en mode, c'est à moi. Oh, le chien, il s'est fait victime fort, par contre. Hein. En même temps, les chats, ils savent que sur un petit chien, ils peuvent gagner. C'est quoi, ça? Le chat, il est heureux de se faire taper. Le chat, il marche sur deux pattes. Wow. Oh non mais là c'est trop mignon. Un bébé labrador par contre c'est moi ou le chat est clairement en train de faire ses griffes dans les yeux du chien. C'est extrêmement dangereux, arrêtez les chats. Il va pas être aussi posé, mais comment il est monté même? Mais c'est sûr, il y a déjà un influenceur, il a pris un chat juste pour les vues. Oh non mais là c'est trop. En vrai moi ça me dégoûte parce que c'est du lait. Au fond, moi, je sais qu'il y a un truc qui est mieux que les chats. Les chiens. Je suis désolé, la team chien gagne. Ouh. Ouais, bon, lui, il est un peu moins agressif que l'autre. Waouh. Quand les trois derniers neurones qui existent dans mon cerveau se connectent, je peux juste sourire comme ça. Oh. J'aurais eu la même réaction, j'aurais pleuré. Oh, c'est américain, ça. Ça, c'est un chien? Mais mec, c'est un ours. Non, mais là, il a mangé 5 Rayton, là. Là, il a mangé du Rayton. Ah, après, je comprends qu'il y a des gens qui aient peur des chiens. Mais la vérité, en général, puis ils sont gros, puis ils sont sympas. Hein. T'es mal, le chat, comment il est posé avec son popcorn et tout. Petite couette, petite télé. Il regardait son meilleur programme canin, un défilé de mode canin. Ok. Oh, la gueule. Pourquoi il a la même coupe que moi? Cette fois, le chien a envie de fermer la porte. Mais il l'a fait. Défi pour vous maintenant, trouvez le faux chien. Attendez, moi, j'essaie de jouer. Ah, c'est dur. Mais c'est méga dur. Mec, je trouve pas. Je le vois, je le vois. Les gars, j'ai vu le vrai. Oh, regardez, il est là. Juste ici, il y a un husky. Oh mec, il est trop chaud. Je suis sûr, si je tape dedans comme un ballon de foot, il va super loin. En vrai, on y a tous pensé. Si vous êtes un psychopathe. Le chat le plus rapide du monde. Mais crois-moi que tous les chiens deviennent les plus rapides du monde quand il y a à manger. Hein. Pareil pour les chats. Mec, il est méga rapide. Ça se voit, il va à la salle. Moi, je pense qu'il est sous stéroïde, le chien. Ok, là, il va sauter. Non mais mec, c'est un délire. Comment il... Quoi? Mais c'est une dinguerie! Ça, c'est un chien sponsor Nike qui a pas moyen. Oh, ça, c'est un chien dévoué. Tout ça pour attraper un frisbee. Les chiens, c'est vraiment les meilleurs amis de l'homme. Wow, il mange les coquilles d'œufs et tout, c'est un thug. On est vraiment en train de regarder un chien qui mange. Ce chien mange mieux que moi. Même dans Ratatouille, le rat, il cuisinait pas aussi bien. Oh ouais. Eh, je vous jure, il y a des chiens, ils sont croisés avec des loups. Mais mec, ça, par contre, ça mange ton âme. Hein. La vérité, il veut te manger, il le fait. Mais t'es mec, les chiens et tout, on dirait un méchant dans Batman. Ouh là là. Ça, c'est moi quand j'ai mes moments de folie. Mais regardez, cette vidéo, elle me donne trop envie d'adopter un chien, franchement. Voilà, démarche. Casse la démarche comme Mbappé. Mec, ça, c'est jouer du piano. Est-ce qu'un chat, il sait faire ça? Non. On va continuer de regarder des chiens, des chats, mais d'abord, on va regarder un autre type d'animal domestique. Que beaucoup de gens ont, mais que peu de gens tolèrent. Les reptiles. Là, vous allez voir un serpent en train d'essayer de manger un lapin. Me dites pas que c'est vrai. Non, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Après, le lapin est déjà mort, mais... Ah, je peux pas, moi, ça me fait mal au cœur. Je sais que le serpent, en vrai, c'est son alimentation, tu vois. Parce que, tu sais, il va à la salle et tout. Mais ça fait si peur. Moi, les serpents, ça me fait peur. Mais pas autant peur que les alligators. T'es marrant, on dirait une grand-mère sans dents. Les Australiens, ils sont trop à l'aise pour toucher des crocodiles. Hein. Ça se voit, c'est leur ADN. Ouais,
elle a l'air bien. Ah oh ouais, là son petit varem, sa vie. Encore? Mais c'est quoi ce truc? Ouah, c'est Godzilla. Mais le crocodile, il est plus proche des femmes que moi. Mais maintenant, voici un croco albinos. Ça se voit, il est shiny, ça se voit, il est rare, c'est un Pokémon rare. Ah, il est content là. Ah, je l'appelle Croqui. Il est trop sympa, Croqui. Vraiment, c'est un bon. Lui, il fait pas de dessin, il fait que des croquis. Oh, c'est des mini serpents. En vrai, les mini serpents, ils font un peu moins peur. Bon, si, ils font quand même peur. En nombre, ils font peur. Ils sont obligés d'être à 20 pour être stylés. Les Australiens, vous êtes un mystère pour toute la planète. Je sais pas si vous êtes au courant. Hein. C'est un Pogona, ça. Ouais, il est en train de perdre sa peau. Là, il se fait son petit pelage. Qu'est-ce qu'il fout? Ok, il lui met un jet d'eau. En vrai, il doit kiffer, hein. Ça doit lui faire trop du bien l'eau. C'est un Pogona, gonfle la queue. Fuyez. C'est quoi ça? Oh non, mais là, oh, c'est quoi cette tête de fatigué? Il vient juste de naître, il est déjà fatigué de la vie. Il est laid. Il est immonde. Même sa mère, elle rejette. Non, mais c'est trop. Go, il est obligé d'habiter dans une maison. Mais c'est quoi cette story de malade? Maintenant, il habite dans la forêt? Ah, mais là, la scène, elle est improbable. Genre, il y a un chat qui habite sous un arbre et il y a une meuf aux cheveux roses qui débarque pour la voir. Et il est vraiment trop moche. Je suis désolé, il est trop moche. Encore le chat acteur. Je vous jure, c'est le meilleur, lui. Elle veut se faire pardonner. Mais attends, mais c'est trop bien de faire des TikTok comme ça, hein. Ça c'est les meilleurs TikTok. Une histoire d'amour entre chats. Ok, donc là le chat tombe amoureux d'un chat ballon. Oh non! Il a tué son seul amour, c'est trop triste. C'est quoi ça? Wouah! Ça c'est un vrai chat. Il est agile, il est pas gros. Parce que tous les chats ils sont gros. On connaît tous une personne qui a un chat, il est gros. Et la personne elle dit non, il est légèrement surpoids, légèrement enrobé. Frère, c'est pas du chocolat mannequin, hein. Y a pas de légèrement enrobé, ton chat est gros, c'est tout. Mais gros, y'a pas à avoir faim comme ça. On dirait moi sur Tinder, gros. Non mais quoi, tu fais quoi? Mais voilà, mais c'est à cause de vos distributeurs automatiques qui sont cassés là aussi que vos chats deviennent obèses. Je dis les termes. C'est quoi ça? Mais comment c'est possible? Comment ils font là? Oh, c'est incroyablement satisfaisant. Tout plaqué pour devenir ami avec ce chat, ça a l'air trop bien. Non mais il est trop fort. Les gars, il a plus de connaissances en cuisine que moi. Waouh. Ok, ok, là le défi c'est qu'il passe sans en casser beaucoup. Là ça va. Oh, malin. Pas besoin de sauter, il peut juste taper. Non mais c'était bien ce que tu faisais, gros. Ouais. Bah voilà. Après, le chat il a dû se dire, mais pourquoi l'humain il met ses gobelets là? Pas pratique du tout tout ça. En vrai, franchement, il a réussi le challenge, il est chaud. Un chat intelligent. Ok, ok, là il montre ce qu'il va faire au chat. Mec, tu tapes ton chat comme ça, je te jure, c'est moi qui te défonce. Ah, il le remet bien et tout. Il a bien compris. En vrai, c'est marrant. Un chat pianiste? C'est tellement doux, tellement mélodieux. L'artiste est vraiment au sommet de son art. Bon, il a la flemme de jouer le reste, mais en même temps, c'est un artiste, vous comprenez pas. Moi, je suis, on regarde des chiens. Oh, les chiens! Journée piscine, mec, ils ont l'air trop contents. Oh, c'est dans ce genre de moment où t'as envie d'être un chien, la vérité. Hein. C'est trop satisfaisant. Mais même avec mes potes, je veux faire ça. Le chien est jaloux. Ah ouais. Il veut trop être là, gros. Il tège la meuf et tout. Son chien, il a l'air si léger et lourd en même temps. Ça se voit sans les poils, il est skin de ouf, mais c'est juste là, il a l'air fat. La dingue, regardez. Est-ce qu'un chat sait faire ça? Askip, chat plus agile, hein. Mais déjà, gros saut en longueur. Même un humain, ça peut pas faire ça. Il y va sur le dos, ça prend une impulsion. Mais t'es pas à la hauteur! Vraiment, ce chien est un humain, il aurait clairement percé dans la NBA. Waouh. Là, il va monter le mur. Défiant toutes les lois de la physique. Ce chien est complètement fou, c'est le chien asiatique. Mais go, il fait des wall rides! Ce chat il est vraiment pas loin du monde, mais je me demande comment il atterrit. Ah, il se fait catcher dans les bras, ok. Parce que sinon je me suis dit, ça doit quand même lui casser les coussinets quand même. En vrai. Ah là, il a raté. Sorry the dog, tu es disqualifié. C'est quoi ça? Ah, c'est le chien qui rapporte les munitions. Il te faut un associé comme ça pour tes combats.
Ce chien, il doit avoir une vie de ouf, hein. Sa maîtresse, elle a l'air bien dégénérée quand même. On a vu le chien asiatique, mais est-ce que vous avez déjà rencontré le chien hindou? Genre vraiment les gars, ce chien, il a un flow, tu peux pas tester. Ça se voit, il est sage au fond de lui. Tu vois, il a du vécu. Il a vu la cruauté des hommes, il a vu la bonté de l'humanité. C'est vraiment un chien, quoi. C'est un chien. C'est quoi ça? Wow! Attends, mais là, ils ont un lion dans leur salon! Mais mec, mais ton chien contre un lion, il meurt? Mais c'est le truc le plus fou. Ok. Là, c'est toujours le lion. Et maintenant, il va re-ramener son chien. Ah ouais, il a grandi un peu. Mais il a cru que c'était des combats Pokémon à envoyer son chien à l'attaque toutes les 10 minutes. Mais quoi, chien ou pas, un lion, ça défonce ton chien. Je sais pas si t'es au courant, en fait. Je pense qu'un chien à l'attaque surentraîné peut buter un lion. C'est un lion un peu fatigué, t'as vu. Maintenant, vous allez voir une vidéo. Si vous avez un cœur, vous allez fondre. Ok. Oh... Un bébé qui devient méga pote avec un poulet. Tous les opposent, leur espèce, leur sexe, leur lieu de naissance. Mais pourtant, ce chien devient ami avec ce poulet. Je vous jure, c'est un Disney. C'est quoi ça? Oh, la connerie. Ok, là, il va jouer avec la balle. Mais genre, ton chien, il est aussi intelligent. Je vous jure, il doit avoir quelques abonnés quand même. Bientôt 10 millions. Bon, je vais lancer ma chaîne Rayton Dogs, voilà, c'est ma 10e chaîne YouTube. Les amis, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de défoncer la barre des pouces bleus, je compte sur vous, mégazo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche. Venez me suivre sur Instagram, allez sur mon compte Instagram, vraiment, il y a plein de concours. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, c'était Rayton, passez une bonne journée, ciao.